Bonjour mes enfants, comment allez-vous, mon petit JD, ça va? Bonjour mon maître Jacques, comment ça va aujourd'hui? T'as toujours pas commencé le sport? C'est... Non, non, non. Il pleut? Non, non, non. Bon, tant pis. Pascal, toujours fidèle au poste? Ça va grand maître. Il y a trop de soleil en région parisienne, c'est pour ça que tu mets des lunettes? Je dois dire qu'on est un peu plus gâtés que dans le sud, oui. Et non, puis j'ai mis des lunettes parce que je vous amène à la plage. Écoutez-moi tous les deux là, vous savez que mon ami, il habite aussi à côté de chez moi, pas très loin, donc commencez pas à chambrer avec votre température. Pour une fois que vous avez du soleil, vous n'allez pas nous la gonfler non plus. Salut mon Jean-Marc, ça va? Ouais, ça va Jacques, je suis entièrement d'accord avec toi, parce que t'as avec les lunettes de soleil, attends, franchement, tu déconnes. Oh ouais, non, mais Guy Duchary, nous on est forcé de baisser les volets pour pas voir le soleil, justement. Regarde, moi je reste long, tellement il fait chaud. Et après, je vais à la piscine. Bon, écoutez-moi. Aujourd'hui, on fait une émission avec mon ami Jean-Marc Torchi, parce que j'ai découvert l'autre fois, vous savez qu'on en a fait une il n'y a pas très longtemps, avec son nouveau CD. D'ailleurs, il se vend bien. Je vois qu'il a beaucoup de succès, ton Tour de France de l'accordéon. Ah bah écoute, ça marche bien, ça marche bien. Je suis content, absolument. Bon, ouais, voilà, comme ça, on va avoir une participation. MP, en plus, il va avoir une petite participation. Oui. Et puis donc, l'émission marche bien aussi, il y a plus de 150 personnes qui ont déjà vu l'émission. Ah bah écoute, c'est pas mal, partage JD. Hein. Il va bientôt avoir le... Ouais, c'est bien. On en est à plus de 10 000 vues quand même. Hein. Ouais, on a passé la barre des 10 000 vues sur notre chaîne déjà. Putain, j'ai laissé tomber mon stylo. Ouais. Alors justement, je voulais aujourd'hui vous faire découvrir, pour les auditeurs et puis ceux qui suivent les émissions, qui plaisent beaucoup... Une autre facette, il y en a une troisième encore, mais ça, c'est pas moi qui vais m'en occuper, c'est la star de l'accordéon, c'est ma marraine Isabelle Durand, qui aujourd'hui s'excuse parce que c'est la veille du 1er mai et elle ne travaille pas la veille des jours fériés. Putain, elle a de la chance. J'aurais dû me faire marquer ça. Ça sera répété. Ça. Donc Isabelle, elle n'est pas là aujourd'hui, mais ça fait rien. Vous savez que c'est comme ça. Mais c'est elle qui va s'occuper de la troisième facette de notre ami Jean-Marc. C'est-à-dire qu'on a fait la face, on va faire le dos aujourd'hui avec le Zigane, le côté droit avec le classique, le côté gauche, il choisira ce qu'il veut. Bon, enfin bref. Donc moi, je suis tombé encore sur le coup de cœur là, de cet album que j'écoute dans ma bagnole en permanence. Ah non, merci. Alors, avant que tu arrives, mon petit Jean-Marc, j'ai même chanté une partie, j'en ai chanté un morceau. Apparemment, ça n'a pas le même succès. C'est pas grave. Donc, on va développer ce CD après, mais on va écouter le premier morceau, mon petit JD. Oh, ben oui, on va écouter d'abord les classiques de Jean-Marc. Et puis, oui. On va découvrir Jean-Marc, vous n'avez pas encore vu. C'est parce que j'ai encore gratté. T'as encore trouvé des choses. J'ai trouvé des choses. Moi aussi. Alors, on va démarrer par Les Yeux Noirs, bien sûr. Classique des classiques. Allez. Ah, oui. Les Yeux Noirs, c'est parti. C'est parti. Thank you.
super, Jean-Marc. Pourquoi tu avais fait, pourquoi tu as enregistré, quelles sont les conditions pour lesquelles tu as enregistré ce CD, enfin cet album? Alors écoute, Jacques, pour la petite histoire, je vais te raconter dans les détails ce qui s'est passé. Voilà, on aime bien voilà. Ça, les détails. Vas-y. Mais tu vois, c'est assez long. Hein. Enfin, c'est assez long, je vais le faire. Ça fait rien, on s'en fout. On ne fait pas du pouce-disque, voilà. Nous, on interview les gens. Je voulais faire un album, l'accordéon au féminin, qui rejoignait plein de nanas, des nanas accordéonistes. Que tu as fait d'ailleurs, non? Que j'ai fait, absolument. Ouais, ouais, que j'ai fait. Et je voulais avoir ma copine Alexandra Paris. Oui. On lui fait un petit coucou là, Alexandra. Ouais, on lui fait un petit coucou, Alexandra. Et Alexandra me dit comme ça au téléphone, elle me dit, écoute, Jean-Marc, oui, mais il faut que tu voyes avec Harry William. Bon. Ah oui, ouais. Avec Harry William. Je prends rendez-vous avec Harry, je vais manger au restaurant avec. Et Harry me dit, oui, tu comprends, tatati, tatata, c'est moi qui m'occupe d'Alexandra, mais bon, pourquoi pas. Et puis, écoute... on m'a donné l'opportunité de faire un disque de Zigane. Est-ce que ça t'intéresse? Parce que si tu veux, tu le fais. L'opportunité était faite comme ça. Donc, c'est Harry qui m'a donné le travail, qui devait faire lui. C'est moi qui l'ai fait à sa place en 2006, je crois. Peu importe, ouais. Pas grave. Et voilà la petite histoire. Et donc, j'ai fait cet album distribué par Wagram à l'époque, qui a très bien marché, puisque on est resté... je crois 3 ans dans les grandes surfaces en vente. 3 ans, c'est resté. Voilà, superbe album, d'ailleurs que... Ah ouais, non, franchement, de ce côté-là, c'est un truc très agréable à regarder, à écouter. Enfin, c'est encore tout ce que j'aime dans l'accordéon, vous le savez. Donc, on écoute... moi, je la jouais, mais j'avais changé le titre, c'était Maxime. Quand je la jouais, on me disait, je faisais avec Zardas démonté. Mais toi, tu l'as fait complet. On va écouter. On va le retrouver parce qu'on l'a déjà vu ce morceau, mais c'est tellement bien. On s'en fout. T'étais à Goussainville à cette époque-là, Jean-Marc. Ouais, dans le 95, ouais. Voilà. Et donc, tu avais fait. C'était quoi? C'était un concert que tu avais fait, non? C'était pour la mairie? Non, écoute, je pense que ce que tu vas passer, c'est une vidéo que j'ai faite pour mon premier DVD. Ouais, c'est ça, ouais. Grâce au maire de Goussainville que je connaissais bien, qui m'avait prêté son théâtre et où j'ai fait donc l'enregistrement du DVD et où c'est qu'il y a le morceau que tu vas passer, je pense. Voilà, c'est parti avec Zardas. C'est ça. Thank you.
ça avait été enregistré avec des vrais musiciens là-dessus. Ça a été enregistré avec des vrais musiciens, absolument. Absolument. Qu'est-ce qui compose un orchestre pour faire de ce genre de musique? Il y a violon, dis-moi. Ah, écoute, il y avait la violoniste Alexandra Cravero, il y avait le batteur que tout le monde connaît, le fils à Jos Baselli, Pascal Baselli. Ah, Pascal Baselli, voilà. Qui habite dans le sud de la France d'ailleurs, je crois maintenant, entre parenthèses. De temps en temps. Ouais, de temps en temps, ouais. Après, il y avait Didier Mouret au clavier, il y avait Frédéric Constant à la guitare. Et puis voilà, puis moi l'accordéon, et puis après tout le reste. Voilà, ouais. Donc et on écoute. Alors est-ce que ce morceau, le Casaccio, ça a un rapport avec la danse qu'on dansait à l'époque, on était jeunes là? Oui, ouais, c'est le Casaccio qu'on connaît. Putain, moi, je me rappelle, t'as connu ça toi, Pascal? Oui, bien sûr. Oui. Casaccio, c'était à la mode dans les années 80. J'allais danser ça. C'était un peu avant, 70-80. D'abord, c'est Rick Azaray qui a mis tout ça aussi. Ouais. Puis Ivan Rebroff. Mais bon, il y a aussi Rick Azaray qui a remis tout ça au bout du jour. Dans les années 80, on pense très très fort à elle. Voilà, c'est un petit clin d'œil qu'on voulait faire aussi avec la danse. Allez, on y va, mon pote. On y va, on écoute ça, tranquille. De souvenirs quand même quand t'entends ça, tu te rends compte. J'avais 17 ans, j'allais danser à la Porte Champéret. Il y avait un dancing dans la Porte Champéret. J'allais, oh là là, c'était un quelle belle époque. Mon ami Jean-Marc, c'était un peu la danse en ligne comme il y avait le Tsertakis. En fait, c'est un peu ça déjà. Eh oui, comme quoi les danses en ligne. Petit coucou à notre ami Thierry Bonnefou, je sais qu'il adore les danses en ligne. On manque pas de lui faire un petit coucou à chaque fois. Thierry, c'est pour toi l'émission. On va peut-être faire la Maria de Choc.
On va lui en demander, on va lui faire une demande. Thierry, si tu regardes, tu nous ferais nous composer une belle danse en ligne. Je sais que tu es spécialiste et j'aime beaucoup ça. Il adore ça, Thierry, il adore ça. Bon, vous allez vous calmer maintenant. On va ralentir les chevaux. Cocher, ralentir. Alors, c'est quoi ce morceau? Ça ne fait pas partie d'un film, ça? Alors, écoute, alors, j'en sais rien. Je sais que c'est très connu. Parce que quand je suis parti en Ukraine et que je l'ai joué, c'est un air populaire là-bas, bien sûr. Ils connaissent tous ça. Que ça soit c'est encore un beau morceau qu'on a tendance à oublier. L'autre fois, j'écoutais. Franchement, j'écoute ça dans la bagnole et ça m'a changé un peu le truc d'habitude là. Et c'est vraiment un truc super, super, super. Ça, en plus, ça s'écoute. Ça s'écoute dans une Lada. Hein. Faut acheter une Lada pour écouter ça. Un peu fatigué. Alors, faut mettre le sang fort quand même. C'est Jean-Marc qui est en plein apéro et l'autre. C'est les vapeurs, c'est les vapeurs. Mais les vapeurs. Ah, ça c'est beau. Ouais, alors tu me parlais de quoi, toi, mon petit? Ah, ben on va faire parler surtout notre ami Jean-Marc parce qu'il va nous raconter. Parce que d'ailleurs, je pense que le CD est pas. Enfin, il a été créé en 2007-2006.
Je crois, ouais, si mes souvenirs sont bons, c'est ça. Ouais, ouais, et bien 10 ans après, je ne sais pas, peut-être que c'était aussi le hasard qui a fait bien les choses. Eh bien, il a vécu, je pense que tu vis toujours cette aventure. En 2017, tu as rencontré un groupe. Ah, le groupe Odessa. Voilà. Tu as retrouvé un truc. Oh que oui, oh que oui, que j'ai retrouvé. Oh que oui, que j'ai retrouvé. Ah ouais. Alors, tu vois, alors raconte-nous un petit peu ce que c'est qu'Odessa. C'est un groupe qui a été créé en 2014, ou c'est ça? Odessa, c'est un groupe... qui vient de Montpellier, d'ailleurs. Hein. C'est, oui, c'est toute une famille. C'est ça, Montpellier. Absolument. Et un jour, je vois une annonce passer comme quoi Léon, le chef, ouais, si tu veux, du groupe Odessa, ouais, recherchait un accordoniste. Donc, j'ai postulé. J'ai été faire une audition chez Léon, carrément. Ouais. Et donc, je suis rentré dans le groupe Odessa et on a fait plein de choses ensemble. On a fait 2 CD. Il y en a un qui est distribué d'ailleurs par Marlène Melody. Et on a fait l'inauguration de la statue à Montpellier sur, comment ça s'appelle, alors, je ne sais plus où elle est, elle est sur le... elle est là qu'il a plus, il a plus sa tête, il a plus sa tête. Non, c'est pas ça. C'est du orange. Ouais, il ne s'attendait pas que je parle d'Odessa, parce qu'il faut trouver ça. Ouais. Non, voilà. Parce que je pense que tu as retrouvé cette vidéo qui a été prise sur un pont, alors je ne me rappelle plus le nom du pont, porte, avec l'inauguration de la statue, pas loin de la gare TGV de Montpellier. Ouais, c'était... Alors, la vidéo, c'est pas sur le pont. La vidéo, enfin, on a la photo de... Alors, je ne sais pas si c'est... t'es parti avec eux là-bas en Ukraine, non? Non. Alors, si tu as fait la photo, tu as fait la photo à Montpellier sur le pont avec donc notre ami Léon. Toi, tu étais assis à l'accordéon et Léon était au violon. Eh bien, je te dirai, une fois que ça sera passé, je te dirai si c'est ça. Eh bien, voilà. Eh bien, on va écouter tout de suite le Odessa avec le temps du biguet. Là, c'est un premier clip que l'on voit avec des photos, les photos du groupe. Et on voit aussi, voilà, et on voit notre ami en photo cette fois-ci, Jean-Marc. Allez, c'est parti. Шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется. Yeah.
Tu as été beaucoup dans les pays de l'Est, toi, non? Eh bien, écoute, là, pour tout te dire, j'ai été au Liban. Bon, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Suisse, tout ce qui est pays de l'Est, l'Allemagne, ouais. La Suisse, l'Autriche, le Liban, j'ai fait l'Ukraine et dernièrement, j'ai fait l'Irak. Oh ouais. Ouais, j'ai fait l'Irak. Tu m'as pas appelé. Avec gilet pare-balles et tout ça, hein, s'il vous plaît. Hein. Oh. Ouais. L'ambiance, ça va être sympathique, ah, non? Ouais, super. Non, mais super. Hein. Franchement, voilà, bon. J'ai fait une fois. Ouais, alors, si on raconte beaucoup de choses. Ouais. Après, j'ai fait donc, on en arrive à une émission que tu as retrouvée encore ambiance accordéon, mon petit Gilet. On va repasser le morceau qu'on a passé la dernière fois. C'est Lucilia, hein, que tu as interprété chez nos amis Gilles Bagur et Sandrine Tarrère dans leur émission accordéon il y a 7-8 ans. Et donc, on a le plaisir de te retrouver. Avec ce morceau de Lucilia qui, voilà, il y a 7-8 ans, ben, tu parlais un petit peu de cet album-là et puis de tes envies. J'ai vu que tu aimais la Formule 1. J'ai appris quelque chose aussi. Tu es toujours un fan de Formule 1 ? Ouais, moi j'aime bien. Ah, moi j'adore ça, la voiture, j'adore ça. Ah, ben tu vois. Avant, parce que quand il était jeune, il faisait de la natation. Bon, il a un peu laissé tomber. Ah, ça, j'ai laissé tomber. L'eau devient froide. Enfin bref, alors bon. Avec l'âge. Ah, oui, c'est ça. Bon, alors on continue, donc on continue, mon petit Gilet. Eh bien, c'est parti avec Lucilia. Thank you.
Donc ce coup-ci, maintenant, on va bien voir la chronique de notre Pascal. Ah ben oui, voici tout de suite Pascal dans ses œuvres. Jingle. Générique. Ah, voilà. Eh ben, l'Irak, et on se promène quand même vachement dans tes émissions, c'est super. Ah ouais, l'Irak, et ben moi, on va commencer par la Bolivie. Wow. On n'est pas en Bolivie. Il y a 40 ans, en Bolivie, un morceau, Lirando se fue. Un morceau bolivien, interprété par les Charcas en 1981. Ils ont créé ce morceau d'ailleurs. Et ça va être repris en 1987 par Marcia Ferreira, une chanteuse brésilienne qui adapte cette chanson avec leur accord. Et cette version, ce morceau, il fait un tabac en 1988 au Brésil. Et en 1989, il arrive en France. Une version portugaise est faite par un groupe français, les anciens musiciens de Turekunda. Ce groupe s'appelle Kaoma. Et oui. Font bien sûr la Lambada. Bien sûr, succès planétaire international à la Lambada. Il remplace la fugue de Pan, bien sûr, par un accordéon. Eh oui, et ça donne le tube qu'on a tous dansé, le tube qu'on a tous dansé. Ça devient vite un standard, le tube de l'été. Il tourne en boucle sur les chaînes de télé, ça tourne en boucle. Il est pendant 27 semaines au top et pendant 12 semaines numéro 1 du top, plusieurs fois disque d'or. La vague Lambada qui submerge tout, submerge l'Europe, le Japon, l'Australie et même les États-Unis. Alors que Kaoma sortiront aussi d'autres tubes hein, sur le même tempo, Dansando Lambada, Tago Mago. Ouais, c'était vraiment. Il y a deux films qui sortent aux États-Unis en 1990, hein, deux films qui sortent sur la Lambada, spécialement sur la Lambada. Le premier film s'appelle La Lambada, le deuxième film s'appelle La danse interdite. La danse interdite, la Lambada, parce que c'était quand même une danse assez corps à corps et assez chaude, hein, la Lambada. Mais les Charcas, oui. Ouais, oui, c'est parce que nos amis boliviens n'ont pas touché tout de suite les droits d'auteur. Ah, mais j'y viens. Parce que ça, c'était un scandale, mes enfants. Ça a été la première affaire des plagiats, de plagiat international, la première très grosse affaire. Et les Charcas, en 1991, donc deux ans après, ils font valoir leurs droits d'auteur, et parce que les droits d'auteur qui sont perçus en France et non pas en Bolivie. Et mais donc, c'est un scandale de plagiat. Ah. 1,3 million d'euros, hein. 6 millions de francs à l'époque, hein. 1,3 million d'euros. Ils ont gain de cause, et bien sûr. Mais il y a eu plusieurs plagiats de ce titre. Hein. En 2010, encore, ils ont gain de cause parce que le titre est repris. En 2011, Jennifer Lopez reprend. Ah oui, c'est vrai. Elle reprend ce morceau-là, elle l'incorpore dans un morceau On the Floor. Et vraiment, ça a été un truc. Mais voilà, le succès planétaire. On les écoute, les Chargas. On a fait un petit montage, les Chargas, et tout de suite derrière, Kaoma, la Lambada. Amor, solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Solo estará recordando este amor que el tiempo no puede borrar. Thank you.
Ah, Ben, c'est comme ça que j'ai. Ouais, ben, ouais, moi j'ai essayé de danser ça. J'avais postulé pour un poste de danseur dans une revue brésilienne. Ils m'ont pas pris. Bon, alors moi. Oui, mais c'est parce que tu te déhanchais pas assez. Voilà, c'était ça, mon pote. Voilà. Bon, qu'est-ce que je veux dire? Entre parenthèses, je répète encore ce que j'ai dit la semaine dernière dans une émission. Je le dis parce que vous savez qu'on nous a un peu critiqué parce que on parle beaucoup, mais moi c'est des émissions où on interview les gens. On n'est pas là pour faire du pouce-disque parce que ça m'intéresse pas. Ceci dit, je sais aussi qu'il y a des gens qui écoutent ces émissions pour les enregistrer, comme ça, ils passent les disques intérieurs, on envoie tous les morceaux, et puis comme ça, c'est sympa. Soyez gentils dans la période qui précède, qu'on veille aujourd'hui, pensez aux artistes qui ont fait des efforts pour enregistrer, qui ont investi pour les CD, etc. Et c'est pour ça que si vous pouviez éviter de faire de la copie simplement de musique et pas acheter les CD, ça me ferait bien plaisir quand même, rien que pour eux. Voilà, c'est au passage. C'est pour ça que j'aime bien faire les émissions en direct, parce que je sais qu'on peut parler pendant les morceaux, etc., ne serait-ce que pour respecter un peu les auteurs et le travail qui a été fait par les musiciens et les studios d'enregistrement. Est-ce que j'ai été clair? Merci. Très bien, très très bien. Entre parenthèses, voilà, ça c'est fait. Donc on continue. Petit coup de cœur à Jaco. Alors on y va. Pleine. Non, tu chantes fou, toi. Laisse-moi chanter. Voilà. Je vais vous embaucher, les mecs. Oh putain. Bon, alors, disque d'or d'accordéon de Zigane. Vas-y, alors, ce morceau-là. Comment tu avais fait le choix de ces morceaux-là, au fait? Ah, écoute, il a fallu que je prenne des standards qui m'ont été un peu imposés, hein, je veux dire. Hein, ouais, mais enfin bon. Voilà. Donc, j'ai choisi quand même. Hein. Bah oui, mais bon, si tu veux, après, il n'y en a pas 50 000, des standards qui sont connus de tout le public. C'est ça le truc. Parce qu'après, on m'appelle Kalinka, Xardas, tout ça, tout le monde le connaît. Ouais, c'est beau. Voilà. Mais c'est vraiment très agréable. On écoute pleine ma pleine, puis vous pouvez chanter. Bah ouais. Quand vous pouvez chanter pendant que la musique passe, pour maintenant, s'il vous plaît, merci. Au revoir.
toujours à Odessa. Ah, mais là, on va, ouais, là, on va retrouver Jean-Marc en concert cette fois-ci, pendant plus de 10 minutes. Et alors, ce que je regrette dans ces extraits, c'est qu'ils ont fait un clip, ils ont fait un extrait du concert d'Odessa, de Jacou. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, tu vois. Et ils n'ont mis que 2 minutes par extrait, alors que ça aurait été quand même mieux de voir, d'avoir le concert en entier, parce que les morceaux, les sons sont formidables, justement. Alors, moi, je me suis permis de faire une petite compilation. Là, on te voit le plus souvent à l'accordéon. Et surtout, ce qui est super, super sympa, c'est qu'à la fin, c'est un final grandiose. Il y a la chorale, il y a les cuivres de l'harmonie de Montpellier, hein, et, il y a, et plus le groupe Odessa. Et ça te fait une harmonie complète, hein, sur scène. Et c'est génial, quoi. C'est, voilà, voilà. Donc, il faut prendre... Voilà, prenez votre pied, prenez votre pied, c'est génial. Voilà.
стоит над рекою, пристанью самой реки. Парень девчонку целует, просит он правой руки. Верила, верила, верю, верила, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Верила, верила, верю, верила, верила я, но никогда не поверю, что ты разлюбишь меня. Белая роза,
Mon petit, alors écoute-moi, on va écouter encore un morceau, je crois. Hein, ah, c'est le dernier morceau de la programmation. Et après, on se dit au revoir. Et voilà, puis, voilà. Là, c'est le meilleur que j'ai gardé pour la fin, parce que tout le monde la connaît. Même moi, je la connais, mais en version un peu bandasse. Ah là là. Ouais, parce que moi, j'ai la version bandasse. C'était le temps des fleurs où j'en fumais ta sœur dans le. Sur la table à manger. Qui chantait ça? Qui est-ce qui chantait ça aussi? Ah ben il y a tout le monde qui a chanté ça, temps des fleurs quand même. Est-ce qu'il était le temps des fleurs, on ignorait les fleurs, les lendemains avaient la goutte. Bah c'était Ricard. Bah il y a Ricazaray aussi. Ricazaray. Ouais, bah oui, c'est Ricazaray. Bah ouais. Bah ben voilà, moi je préfère ma version à moi qui est un peu plus hard mais qui est sympa. Jean-Marc, écoute-moi, je te remercie encore parce que on en a fait quand même pas mal, je suis content. Ça passe sur RCB en plus, donc même si tu es parti, ils ont quand même l'occasion de t'écouter quand même pratiquement en ce moment tous les 15 jours. Donc tu as le bonjour Alfred, alors voilà, donc c'est bon et puis c'est pas terminé. Donc puis en plus j'aime bien parce que pour la petite histoire, ça me permet de indirectement de régler certains petits problèmes avec certains qui pensaient qu'avec Jean-Marc c'était comme à mon âge et à son âge et puis au talent complètement différent, je vois vraiment pas où est le problème quoi. Alors comme on est des hommes aussi, des fois on s'envoie des trucs, mais c'est assez normal, mais on est assez intelligent pour se rappeler aussi nous et non pas par derrière. Donc bon entendeur, salut tous ceux qui pensent que non, vous faites erreur, mon pote, c'est mon pote, et accordéon ou pas accordéon, ça n'a plus rien à voir. Donc voilà, mon petit Jean-Marc, j'ai fait aussi ça. Mon cher Jacques, absolument. Hein, voilà, donc on va penser à appeler certains accordéonistes. Je te remercie d'avoir encore consacré un peu de temps à notre émission. Ah bah c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Content. C'est moi qui vous remercie. Bah, Pascal, je pense à toi, je t'envoie. Ouais, super, ouais. Ouais. Hein, tu sais, je parle souvent tes morceaux sur mes lives et en attendant de faire un beau truc ensemble. Ouais, j'espère que ça va venir. Ça va venir, les enfants, ça arrive, les restaurants vont rouvrir.
Oui, attends, en 2032, le ouais. L'espace. Hein. Mais non, allez, soyez confiants. Soyez confiants. JD, je te remercie. Merci. Pascal, merci, Jean-Jacques. Je t'embrasse. Salut merci, les amis. Ah, c'est moi qui lance le cœur aujourd'hui. Hein. Ah, très bien. Allez, c'est pas voilà, N'oubliez pas, n'oubliez pas les lives de notre ami Pascal tous les lundis, tous les mercredis, tous les vendredis. C'est un grand moment. Moi, je me remercie tout seul parce que je pense que je suis bien aussi dans ce que je fais. Et là, parce que. Tu es hein parfait. Bah ouais, je pense que je vais rien changer du tout. Allez, mon petit Jean-Marc, je t'embrasse. Ciao. Et puis merci à vous. Et que Dieu vous garde. Bisous, salut les amis. Enfants. Ciao. Salut. Ciao. Salut.